Bonsoir. Alors aujourd'hui je te reviens avec une petite vidéo favori du mois de janvier. C'est parti. C'est le retour de la panière, on adore. Si tu te demandes pourquoi cette petite panière, je t'invite à te mettre juste un petit i qui se retrouve juste là pour tout simplement savoir pourquoi la panière. Alors, c'est favori, c'est découverte, c'est un peu mix de tout, un petit peu. C'est parti. Donc, on va commencer tout de suite par un parfum. C'est mon parfum du mois de janvier. C'est le parfum de chez Yves Saint Laurent, La Nuit de l'Homme. C'est juste mon parfum. Avec ça, j'ai le petit stick parce que c'était un petit coffret. J'ai le stick déodorant, donc voilà, c'était avec. Donc voilà, pour sentir tout bon. Dans la douche, pour mes petits cheveux, j'utilise ce petit produit. C'est un shampoing. Voilà. C'est un shampoing l'arbre vert, la marque l'arbre vert, cheveux gras. Il est purifiant, il te laisse les cheveux tout doux. J'avais un problème, c'est que les autres shampoings me alourdissaient les cheveux, alors que en fait celui-ci, il te fait les cheveux volumineux, j'ai pas de soucis, et en plus, ils sont bons. Ouais, ils sont bons, ils sont la nature. C'est à base d'extrait d'ortie, donc voilà, et c'est fabriqué en France, et on adore parce que c'est fabriqué en France. Ensuite, quand j'ai la flemme, quand j'ai pas envie de... Donc quand j'ai pas envie, tout simplement, j'utilise ce shampoing sec Garnier ultra doux, voilà. C'est à base d'amande douce et de citron, de cétra, donc c'est du citron, voilà. Cheveux régressant vite, je l'adore. Par contre, l'odeur du citron, je suis pas fan, mais heureusement ça ne tient pas. Voilà, heureusement, parce que j'adore la composition. Dans la douche, c'est les deux petits Tahiti douche. Voilà, c'est alors celui-là. Comment te dire que oh my god, c'est le Tahiti, c'est les nouveaux, s'oublier à la douceur d'un massage. Et son parfum, il est juste waouh. Alors quand tu le sors, je vais pas te le mettre là comme ça parce que sinon après ça va être le brun et tout, enfin bref, mais en fait ça fait un peu un aspect miel, voilà. Je cherche après, et ça fait un peu un aspect miel, mais son odeur, oh, c'est une tuerie. Une tuerie, ce Tahiti. Voilà, ça fait un peu, c'est un peu dans les pays genre oriental. Je cherche après. Genre dans les pays oriental, tu vois, t'as des parfums comme ça, c'est gourmand et tout. Bah en fait, ça fait exactement cette senteur, et c'est une tuerie. Après, j'ai aussi celui-ci, la fleur de tiret, c'est le nouveau et c'est sensuel. Donc voilà, le sensuel. J'ai oublié pour mes cheveux. Alors ça, tu vas me dire, mais c'est quoi ça? C'est pas du talc. Non. Alors, c'est une poudre volumisante qui va te texturiser le cheveu. Écoute-moi bien, c'est une tuerie, ce truc. C'est la marque Indola, tu peux le retrouver à la boutique du coiffeur. Voilà, moi j'ai encore mes prix pro puisque bah, vu que j'étais coiffeur avant, j'ai encore mes petits prix pro. Et du coup j'ai pris le numéro 3, donc en fait il va tout simplement te donner du volume. Enfin voilà, c'est, il n'y a pas d'odeur, particulière. Par contre si t'en mets trop, ça te démange le crâne. Donc fais attention à quand tu le mets. Après, une crème pour mes mains, une grande découverte, la crème de chez Action. Donc c'est la Coconut Care. Alors elle est excellente. Son odeur, t'as envie de la manger. Tellement que son odeur, elle est juste trop agréable. Par contre, le seul hic que j'ai, c'est juste la sortie du produit.
En fait, le trou, il est juste trop gros parce que le produit, il est assez liquide. Il est crémeux, mais liquide à la fois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais il te donne la peau douce, il hydrate super bien et il pénètre vite dans la peau. Je vais y arriver. C'est un format 100 ml de chez Action, tout simplement. Voilà. Les petits combos de chez La Roche-Posay pour mes petits boutons. J'ai le gel purifiant. Donc ça, c'est un gel lavant. Il ne pique pas, il est sans savon. Sans savon. Voilà. On va y arriver. Et après, j'ai cette petite crème toujours de la même gamme. C'est la gamme Efficlar. Donc celle-ci, elle est anti-imperfection. Elle est correctrice. Elle est désincrustante et anti-marque. Donc ça, c'est une tuerie. Quand tu l'appliques, bah du coup, tout simplement, ça va te matifier la peau et j'adore. C'est. Ensuite, j'ai un souci, c'est que du coup, j'essaye de laisser pousser un peu ma barbe. Et quand je la rase, ça me fait extrêmement mal à la repousse. Donc en fait, ce que je fais, c'est tout simplement j'hydrate. Je voulais pas mettre une blende dans une crème hydratante et tout simplement, j'ai été chez Lidl. Et c'est la petite crème de chez Sian Aqua. Voilà. Et en fait, tout simplement, je la mets sur mon cou pour hydrater ma barbe. Et franchement, depuis le temps, en fait, je peux bouger ma barbe dans tous les sens. Je n'ai plus mal depuis que je mets cette petite crème hydratante. Normal, quand tu hydrates, t'as pas mal. Voilà. Une fois de temps en temps, je fais les petits masques également de chez Action. C'est cela. Donc, il y en a différents. C'est les peel-off, c'est les mousses. C'est les masques clean et c'est la bubble gum. C'est les quatre là que j'utilise souvent, entre guillemets. Je les adore, ils font leur job, voilà. T'as un peel-off, t'as. Voilà. Et j'ai trop kiffé le package. Voilà, le rose, le jaune. J'adore le package. Et le petit bubble gum aussi qui est là. Voilà. Le petit bubblegum et le masque au charbon que je rachète tout le temps et que j'utilise aussi quand je fais mon masque au charbon de chez Action. Voilà. Et aussi une petite brosse peigne, comme tu préfères. C'est tout simplement une brosse à barbe. Enfin voilà. Et en fait, elle te fait l'angle, tu le mets comme ça sur ton visage. Tu rases comme ça et ça te délimite bien. J'ai acheté ça même pas 1 € sur AliExpress. Tu peux le trouver dans n'importe quel site asiat que tu peux trouver, que tu peux télécharger. Hein, voilà, Wish, AliExpress, voilà. Donc c'est fini pour cette petite vidéo présentation produit favori du mois de janvier. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, va checker tous mes réseaux sociaux. En barre d'informations, c'est ici, voilà, t'as juste à dérouler. Active la petite cloche si tu ne l'as pas faite pour recevoir toutes mes notifications. Abonne-toi et sur ce, je te laisse avec une nouvelle vidéo. Salut!